c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mille Milou, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour de l'artiste solo coréen Dawn et son tout nouveau single qui s'intitule Dear My Light. Je pense que ça va être quelque chose de beaucoup plus sombre qu'on a l'habitude de voir avec Dawn. Mais vous connaissez la chanson, avant que je déblatère un peu plus, générique. Comme vous le voyez à ma tronche, je suis vraiment beaucoup, beaucoup mieux que hier. J'ai pas eu d'autres relents, d'autres vomissements, d'autres lidites, diarrhées. Non, je pense que c'était sûrement une intoxication alimentaire et c'est passé. Je peux vous dire que c'est soulageant. Par contre, mes insomnies sont toujours là, donc j'ai toujours mal dormi, mais je préfère mieux mal dormir que être sur la toilette et un seau devant soi. Oui, oui, je vais pas vous faire un dessin. Donc, avant de commencer cette réaction et aller un peu plus loin, je vais vous demander tout simplement votre météo du jour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce jeudi 13 avril, presque la fin de la semaine. Pour beaucoup de gens, moi je travaille pas ce week-end donc j'espère que vous non plus, comme ça vous pouvez passer relativement un bon week-end. Je garde ma nièce à partir de demain jusque lundi, donc je suis super contente, on va s'amuser avec cette petite chippie. Et voilà, donc je pense que vous le voyez, je suis relativement de très très bonne humeur. Donc ma météo du jour est le soleil qu'on a actuellement, même si le ciel est pas très beau, qu'il y a des nuages, etc. Oui, je suis le soleil du jour. Bon, je vais arrêter de faire ma débilos, mais voilà, je vais bien et j'espère que vous allez bien. Revenons donc à Dawn. J'ai vu les teasers photos et on le voyait, lui, très sombre, de la fumée, etc. Et comme s'il y avait des grosses lances qui transperçaient tout son corps. Je me dis, oh, revirement de situation, lui qui a l'habitude de nous montrer en général des choses beaucoup plus colorées, pepsantes, ça va être quelque chose de complètement différent. Pourquoi pas? Moi j'aime beaucoup cet artiste et son univers et même son look, hein. Il est tellement excentrique comme Yuna. Comme vous le savez, ils se sont séparés. C'est dommage, mais bon, apparemment ils s'entendent bien. Et puis j'ai envie de vous dire qui on est pour juger leur séparation, etc. Personne. Si eux trouvaient que ça n'allait plus et que leur histoire d'amour, bah, c'était le chapitre final, bah, c'est comme ça, tout simplement. Bon, je vais pas vous mentir, j'étais un peu peinée parce que j'aimais beaucoup ce couple. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Du moment qu'ils s'entendent bien et s'ils font parfois des projets futurs, pourquoi pas. Je pense que cette chanson est peut-être aussi pour montrer une part obscure de lui, une autre facette aussi de sa personnalité, et peut-être par rapport à cette rupture qui a eu lieu il y a quelques mois, il avait peut-être besoin de s'exprimer à travers un single. Il faut savoir qu'ils ont quitté aussi l'agence de Psy et que maintenant il est dans une autre agence, donc c'est ses débuts officiels avec cette nouvelle agence, c'est AR, un truc comme ça, mais bon. J'espère que cette agence vont faire en tout cas du bon travail avec lui. Mais rien que quand je vois quand même le photoshoot, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais ça fait un peu bizarre de voir, comme je le disais, ce côté plus sombre. Mais je pense que je pourrais aimer. Allez, on va se mettre dans l'axe. Ça fait quand même presque un an qu'il nous a pu sortir quelque chose. Hein. Allez, let's go! La guitare là. Même si je dois beaucoup lâcher prise pour que tu brilles. C'est clairement une chanson, on dirait, pour Yuna, hein, je sais pas. Et pour lui-même. Tu sais que tu étais tout pour moi. J'étais assez heureux pour m'oublier. J'aime beaucoup sa voix. Ça fait du bien de pas l'entendre tout le temps que rapper non plus, tu vois. On le montre un peu comme s'il était dans un hôpital psychiatrique avec cette camisole de force, comme cette part sombre en toi, en fait. Il est marqué Friday. C'est aussi beau jour comme l'autre printemps. Mmh.
pense qu'il était en manque d'oxygène et qu'il a besoin de ça pour respirer, pour enfin vivre. C'est bon, si je perds tout, j'étais heureux, mais j'oublie. Tant que je peux te voir éblouissante, je peux te voir dans le noir. C'est une magnifique chanson, vraiment gros coup de cœur pour ce titre. Et en même temps, tu vois sa tristesse, c'est incroyable. Tu ressens aussi cette émotion dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de chanter. Tu vois, comme si c'était un pantin qu'on le retenait. J'aime le fait qu'on a vraiment quelque chose d'acoustique. Vraiment ce piano, cette guitare, parfait. Pas grave si je perds tout du moment que je te vois éblouissante. C'est de trop belles paroles. Hein. Mon petit pipou. Ah, une rupture, même si c'est fait, on va dire, dans l'amiable et que ça s'est bien passé, ça fait toujours mal hein, quand tu aimes une personne à ce point. Alors, la chanson fait vraiment allusion, je pense, à la douleur que tu peux ressentir lors d'une séparation. Et je pense que cette chanson, c'était peut-être une sorte de chanson thérapeutique pour lui par rapport à la rupture avec Yuna. Et qui sait ? Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit vraiment... des scènes et au bout de ses cheveux, cette eau qui tombe pour montrer un petit peu peut-être cette tristesse. On le voit souvent debout dans un espace vide qui est assez impressionnant, très très grand, comme un vide sans fond peut-être, pour comparer cela à comme à une solitude sans nom quand tu te sépares tout simplement de l'être aimé. Oui, le MV était hyper sombre, on sentait l'émotion au niveau visuel mais auditif également. Je pense que tout le monde a une sorte de côté sombre et Don a voulu montrer à travers cette chanson mais à travers le MV que lui aussi c'est une personne qui a un côté sombre et que malgré qu'il fait ce qu'il aime dans la musique, dans l'art, etc., une séparation est toujours autant douloureuse. Après, j'ai l'impression que cette chanson c'est comme une lettre qui voulait comment dire, comme une lettre qui voulait révéler ce qui se ressentait au plus profond lors de sa rupture, mais en même temps qui fait briller, dans les paroles on sent vraiment qu'il fait briller tout simplement l'être aimé, l'acceptation aussi de cette séparation. Franchement c'est vraiment une très 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 bonne chanson, il fallait pas faire plus même au niveau visuel, cette fumée, et puis aussi il était habillé comme s'il était dans un hôpital psychiatrique, comme dans une camisole de force pour montrer vraiment cette solitude. Quand t'as une sorte de camisole de force, t'es souvent enfermé dans une pièce pour pas te blesser en fait, hein. C'est pas une punition, c'est vraiment pour pas te blesser. Et peut-être que c'est pour montrer aussi ce côté solitude, seul, quand tu es au plus bas. Beaucoup d'éléments comme ça me font penser vraiment à toutes ces choses. Et je peux me sentir un petit peu comme lui quand j'ai eu ma première rupture avec mon compagnon. Car on avait essayé pendant... Il faut savoir qu'avec mon compagnon, ça va faire 20 ans qu'on se connaît. On est meilleurs amis, même frères, sœurs. Enfin, on est vraiment fusionnels, des âmes sœurs. Mais à un moment donné, il y a l'amour qui a pointé son doigt. Et on a essayé une année... Et c'est moi qui ai mis un terme en fait à la relation parce que c'était trop dur. Pendant des années, tu es meilleur ami et tout, l'amitié, etc. Et puis tu as les sentiments qui arrivent après autant d'années. Et je sais pas, on n'était pas prêts, je pense, à ce moment-là. Et puis un an après, ou deux, ben, on s'est de nouveau vus. Puis l'amitié était de nouveau là. Lui m'a avoué ses sentiments qu'il m'avait jamais oublié. Et moi, ben, j'attendais que ça parce qu'il parlait tout le temps de ses rendez-vous et tout. Je voyais que la jalousie était là. Donc je me dis oui, les sentiments sont encore là. Et maintenant, ça va faire 4 ans qu'on s'est remis ensemble. Et on vit pas le parfait amour comme tout le monde. Hein. Il y a des hauts, des bas. Mais oui, nous sommes vraiment mais solides, des âmes sœurs. On est un tout. Et je peux comprendre ce qu'il peut ressentir Don, parce que même si on était séparés, je lui souhaitais que le meilleur du monde. Donc oui, je me retrouve un petit peu, même beaucoup dans cette chanson, par rapport à cette période où je me suis séparée de mon copain la première fois. Donc ouais, franchement, il m'émue tellement en fait cet artiste.
Pardon, c'est incroyable. Alors, au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez ce titre-là, mais vous avez également la version instrumentale. Et au niveau du visuel de la jaquette, on retrouve la photo que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois Dawn qui est torse nu avec un simple pantalon noir. J'aime beaucoup le bleu gris qu'ils ont fait dans ses cheveux. Très, très simple par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir hein, dans ses cheveux. Et tu vois vraiment toutes les épines. Je pense que c'est toutes les douleurs qu'il a en lui, qui ressort en fait et qu'on le voit physiquement, qu'on le voit réellement, toutes les émotions qui peuvent être là, et on voit vraiment un trou au milieu, comme si c'était son cœur, comme un trou béant lorsque t'es pas bien lors d'une rupture amoureuse, sous un fond blanc, dégradé, noir, gris. Donc franchement, c'est parfait de A à Z et ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Je pense qu'il a composé et écrit lui-même la chanson, mais il a eu de l'aide aussi d'une autre artiste, il me semble. Mais il a directement en tout cas participé à l'écriture, à la composition, même s'il y a des personnes qui l'ont aidé en amont. Mais c'est bien, on voit qu'il a vraiment participé comme d'habitude, hein, parce qu'il aime ça du début jusqu'à la fin à son nouveau single. Hâte en tout cas de voir dans des futures promotions. Et j'espère un petit peu plus joyeuse. Après, si c'est dans le même trip que celui-là, pourquoi pas? J'aime bien ces deux facettes personnellement. Et vous, mes chers Ménumélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié tout simplement son retour avec son nouvel single, même s'il était beaucoup plus sombre. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara. Je suis un peu plus